Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne et merci beaucoup aux anciens, aux anciennes qui me suivent déjà depuis plus de 2 ans. Donc voilà. Merci beaucoup d'être là. Bien. Sachez aussi que vos commentaires me font toujours très 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 plaisir. Voilà. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'on est tous et toutes une belle communauté. Et qu'on partage tous vraiment et toutes les mêmes convictions, les mêmes intérêts et bien sûr les mêmes combats. Bien, on va regarder aujourd'hui cette histoire de grève là, parce que je me tiens au courant quand même, évidemment, hein, même si je suis expat. Donc j'ai entendu dire qu'il y avait un appel à la grève générale, donc le 19 janvier. Grève qui devrait être conduite une semaine après et encore la semaine d'après. Alors, on va regarder déjà. Si ça embête le pouvoir en place, et ce que j'aimerais bien savoir, moi, quand même, si quel petit peu quel est leur état d'esprit, quoi, si vraiment, vraiment, ils sont ennuyés par ça, ou alors s'ils se disent bof, hein. Et puis, on va voir, évidemment, si cette grève peut apporter des choses positives. Voilà, bon, déjà pour commencer. Alors, est-ce que Nunu. Enfin bref, vous avez compris. Est-ce que ça l'embête? Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Là, j'en ai même plusieurs. Ouais, il y a une femme. Je sais pas pourquoi il y a ça. Une femme qui est en attente de quelque chose. Bon, ok. On va remélanger un peu, hein. Je crois pas que ce soit très important. Enfin bon. Alors, est-ce que le pouvoir, voilà, est embêté par cette grève? Quel est leur état d'esprit? On va juste regarder deux, trois cartes, hein, sans plus. Alors, transformation radicale, succès, prospérité. Ouais. C'est marrant parce que la mort, c'est quand même. Quand on fait table rase du passé, par exemple. Mais là, après, il y a aussi comme si on était content d'une certaine situation. C'est un peu bizarre comme coupe, hein. Donc, on va aller regarder. De ça un peu plus près, d'un peu plus près, pardon. Alors, la grève qui s'annonce, est-ce que ça embête le pouvoir en place? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, on va prendre trois cartes. Hein. J'avais dit deux, trois cartes, on va prendre trois cartes. Bon, bah, ça, c'est, voilà, Caligula. Hein. Alors, le chef de guerre, ou en tout cas, l'homme extrêmement autoritaire et tranchant. Voilà. Ouais, bah, lui, il va pas très bien, quand même. Hein. Ça, c'est curieux. Hein, c'est marrant, quand même. Hein. Il y a un problème de santé là, mais je vous l'avais déjà dit, hein. Enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Hein. On est tous et toutes plus ou moins à dire qu'il y a un truc. Ah, j'ai pas l'impression qu'il soit très bien portant. Alors, la justice. La justice. Ok. Les lois. Ouais. Alors là, j'ai besoin de recourir un peu quand même. Notamment ici. La justice, les yeux bandés. Puis on va quand même mettre une carte sur lui. J'étais partie sur est-ce que ça l'embête cette grève, mais ouais. Ah, il y a quand même un truc là. Alors c'est un peu curieux parce que là, on a des informations qui sont pas directement en relation avec la grève, mais qui sont plutôt en relation avec celui-là que je viens de sortir. Alors, lui, il a un idéal qu'il veut réaliser. Bon, l'idéal, on le connaît, c'est celui du forum de, voilà, de Schwab, pour ne pas le nommer. On voit quand même qu'il y a des questions de repos qui vont être nécessaires. Je vous en avais déjà parlé, hein. Donc, il y a un truc qui ne va pas, là. Il est malade, ou en tout cas, il a besoin de repos. Enfin, bon. Il y a vraiment nettement ici une mise hors service. D'un autre côté, on voit très bien qu'il s'attend aussi à avoir une récompense. Ou est-ce qu'on lui donne quelque chose pour ses bons services, pour ses bons et loyaux services? Ici, bon, ça c'est la justice, les actes juridiques, mais il y a une déception. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, ce que le jeu est en train de me dire, il est en train de me parler de son avenir à lui. Vous voyez, je suis sortie des grèves, hein, bah oui, il faut laisser le jeu s'exprimer, c'est pas grave, on viendra après là-dessus. Mais là, ce que le jeu est en train de me dire, c'est que lui, il s'attend encore une fois à être récompensé de ses bons et loyaux services, mais je crois qu'il ne pourra pas le faire, ou ne pourra pas l'être plutôt, parce qu'il va avoir un problème de santé. Et ici,
Alors, document juridique, ben justement, ça pourrait être un contrat, hein, pourquoi pas, qu'il n'aura pas. Je ne crois pas qu'il aura des problèmes avec la justice dans un premier temps, parce qu'il a quand même l'immunité, mais peut-être par ricochet. Il peut y avoir des histoires de justice qui nuisent ou qui ternissent son image. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et donc là, il y a une nette déception, en plus c'est vraiment au milieu, hein. Le côté santé, oui, enfin, le côté déception, c'est pas au milieu, mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est important. Donc finalement, la grève, il s'en fiche complètement, je vais vous dire, en toute franchise, parce que c'est pas ça qui l'embête. Ce qui l'embête, c'est qu'il s'attend à avoir quelque chose d'autre ici. Hein. On redistribue quelque chose, ça peut être une augmentation de salaire ou un poste plus mieux payé, si vous voulez, plus conséquent, j'allais dire. Mais là, moi, je pense pas qu'il l'aura. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la grève, bof, on reviendra dessus. Hein. Mais moi, c'est pas ce qu'il est en train de me dire. Hein. Ouais, ça, c'était vraiment quelque chose qu'il espérait vraiment beaucoup. Vous voyez, l'étoile, c'est un vœu. Alors, c'est un vœu très, très important. Bon, as de coupe, normalement, c'est nouvelle relation, mais ça peut être tout simplement nouvelle, voilà. Pourquoi pas, nouveau contrat. Alors, il y a quand même une satisfaction ici. Pourtant, ici, on pleure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il va avoir son nouveau travail? Parce que pour moi, il est en train de regarder quelque chose d'autre, là. Il va y avoir des nouvelles à ce niveau-là. D'une femme. Vous savez ce que je pense? Moi, je pense qu'il attend la place d'Ursula. Tout simplement. Parce que elle va dégager, hein. Je vous l'avais déjà sorti il y a longtemps. Je t'avais dit qu'elle allait avoir des ennuis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous s'en souviennent. Ça fait déjà longtemps que j'avais dit ça. C'était sorti comme ça. Hein. J'avais dit, tiens, elle va avoir des ennuis. Voilà. Bon, ben, on sait qu'elle a des ennuis. Et je pense pas qu'elle pourra rester la présidence de l'UE. Hein. Et lui, à mon avis, il est en train de regarder justement pour prendre la succession. C'est pour ça qu'elle sort. Hein. Donc il y aura des nouvelles de cette femme-là. On sait qui c'est maintenant. Voilà, qui va être chuit, mise de côté, hein, voilà, qui va avoir des gros ennuis, comme on voit très bien sur cette carte-là. Hein. Ses souffrances, hein, bon. Et donc, lui, il est en train de zioter par là. Mais je dirais qu'il y a un problème de santé qui va l'empêcher. Alors, est-ce qu'il pourrait quand même être nommé, pourquoi pas, président, bon, vous avez compris, hein, de l'Union européenne, d'où satisfaction. Mais pourtant, il y a déception et souffrance, et ici, il y a un problème. Alors, soit il va être nommé et puis il ne pourra pas prendre le poste, ou soit il va tomber malade. Enfin, il y a un truc. On va regarder quand même ce qui sort. Ouais, vous voyez, c'est lui. Hein. Tout ça, c'est de la manip. Hein. C'est bien lui. Tout ça, c'est de la manip. Hein. Pour avoir un nouveau contrat. Ben ouais. C'est bien ce que je pense. Et un changement. Ben, il veut partir. Hein. Il veut partir pour avoir autre chose dans les. Enfin, dans lequel. C'est pas très bien exprimé, mais il va avoir une autre place dans laquelle il aura davantage de pouvoir et davantage d'argent. Ça, c'est ce que je ressens. Et je crois qu'on est plusieurs à le sentir. Sauf que, il y a quand même ainsi un problème. Vous voyez, c'est bien les institutions ici. Ou alors le médecin. Parce que je vous dis, il y a quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Bon. Donc, on a déjà une petite idée de ce qui pourrait arriver. Et ça voudrait dire, en d'autres termes, que tout le bazar, le chaos que je vois en voyance, en astrologie, tout ça est certainement mis en place exprès, peut-être pour lui donner une porte de sortie qui lui permettrait de revenir au pouvoir d'une autre façon. Ah, ils sont terribles, hein. Mais le destin étant quand même assez malicieux, il est bien possible que lui, là, soit rattrapé par sa santé. Hein, parce que ça fait quand même deux fois qu'on le voit à terre. Hein. Je sais pas si. Enfin, à terre ou couché. Hein, de toute façon. Hein. Voilà. Bon, et là, Ursula, bah, vous avez bien compris qu'elle, de toute façon, elle va dégager. Bon. Donc, par rapport aux grèves, bah, on va reposer la question. Qu'est-ce qu'il en pense alors? Bon, ouais, il y a quand même un fardeau, d'accord. Bon, ça peut être la bornette, comme on dit. Ouais, qui va se repencher sur la question des retraites. D'accord. Mais faudra pas s'attendre non plus à des miracles. Hein. Voilà. Parce que lui, il est derrière tout ça. Et de toute façon,
De toute façon, ils arriveront à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'asservissement ou en fait la domination, ou comme vous voulez, quoi. Donc ça veut dire que les gens sont encore en train de se mettre des œillères. Ils croient que les grèves, etc., les manifestations, ça va changer effectivement cette loi. Mais si effectivement on va replancher sur le sujet, la Bornette va replancher sur le sujet, à la fin, ça changera pas grand-chose, à mon avis, hein. Je pense qu'ils vont laisser des miettes, ils vont donner des miettes, faire quelques petits aménagements par-ci, par-là. Mais pour moi, ils vont rester sur les 64 ans. Hein. Mais bon, c'est vrai que, vous voyez, en fait, on sent quand même qu'il est. Cette grève, comment dire, c'est un fardeau de plus, c'est vrai. Moi, je dirais bien qu'il en a marre, ouais. Il en a marre et il veut vraiment aller vers l'Europe, là, maintenant. Voilà, il en a soupé des Gaulois réfractaires, en gros, hein. Et il veut aller à une place plus conséquente. Sauf que, à mon avis, il va être rattrapé par la santé. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, tiens, on va demander, est-ce que ce sera bien les 64 ans alors qui seront finalement décidés? Bah ouais. Bon, bah écoutez, la Bornette, comme je pense que c'est elle, hein, elle atteindra son objectif. Bon, donc on a quelques petites informations intéressantes, je trouve, hein. Voilà. On va quand même regarder s'il peut y avoir un blocage du pays, par exemple. Ça peut être intéressant. Donc, on va peut-être changer de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pas pris le Divine Actu parce que le Divine Actu est un jeu excellent. J'aime beaucoup. Mais il est quand même plus pour bon, savoir ce qui sort, etc. au niveau un petit peu de l'actualité. Or là, je suis sur un sujet bien précis. Donc, on va peut-être regarder mes petites postcards, j'allais dire. Pardon, c'est allemand. Carte postale. Parce que si vous avez regardé mes prévisions astrologiques, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui va arriver sur le printemps. Alors, pas sur janvier, pas sur février, mais sur le printemps, pas très loin, hein, mars-avril, où là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne plus. Y a une impasse, voilà. Alors, ça peut très bien être la conséquence de la grève qui est justement demandée, là, la manifestation, mais ça peut être aussi autre chose. Donc, on va demander, est-ce que donc l'action des syndicats vont entraîner éventuellement d'autres choses ou pas? Ou est-ce que ça va s'arrêter là? Alors là, la question, elle est claire, hein. Alors, je suis en train de regarder dans quel sens? Excusez-moi, c'est de l'eau, il me semble. Ouais, c'est ça. Ce sont les émotions en mouvement. Bon, déjà, ça va générer énormément d'émotions. D'accord? Bon. Ok. Ouais, ben alors moi, ce que je pense, alors on a l'eau et le feu, hein. Vous voyez? On va avoir des émotions qui vont être hors de contrôle. C'est-à-dire que j'ai un peu peur que, alors, les grèves, les manifestations, alors pas forcément le 19 janvier lui-même, mais peut-être un peu après, ou voilà, ça entraîne ceci. C'est-à-dire que, comme toujours, il va y avoir des parasites qui vont profiter de cette manifestation, voire de ces grèves, pour faire ceci, c'est-à-dire des destructions. Moi, ça m'énerve toujours, enfin, ça m'énerve, c'est encore un mot qui est trop gentil, quand je vois des voitures brûlées. Bah oui, mais enfin, les pauvres gens qui ont leur voiture, ils font quoi alors après? Donc il faut qu'ils demandent à l'assurance et l'assurance va leur dire ouais, d'accord, on vous rembourse. Alors je sais pas si c'est la voiture en elle-même, c'est étonnant, mais enfin bon, on vous rembourse une certaine partie de la voiture et puis après, hop, dehors, hein, parce que les assurances c'est comme ça, hein, ils payent une fois puis après ils vous virent. Hein. Donc ça veut dire que les gens, ils vont perdre leur, par exemple leur voiture, parce qu'il y aura des voitures brûlées, c'est sûr. En plus, ils vont s'y adhérer de leur assurance, et de toute façon, avec ce qu'ils vont percevoir, ils ne pourront pas racheter une voiture derrière. Hein. Ouais. Donc, j'ai horreur des gens qui démolissent tout. Donc, ça, c'est les casseurs, c'est la racaille, quoi, qui, pour moi, va profiter de cette situation de remous des émotions. On va très bien ici, hein, je vous montre la carte. J'ai encore pas sorti celle-là. Pour mettre du chaos, voilà. Peut-être pour piller, détruire, incendier, enfin que sais-je, la carte part d'elle-même. Donc c'est pas une bonne chose finalement, vous voyez? C'est pas une bonne chose. Alors je dis pas que c'est pas bien de pas aller manifester parce que effectivement cette retraite à 64 ans c'est du n'importe quoi. Quoi qu'on amène c'est 67, mais bon moi personnellement j'attends pas la retraite. Hein. Voilà. J'attends rien de l'État et je crois qu'il faut rien attendre de l'État. Il faut commencer très jeune à bah, faire un plan, voilà, à épargner, enfin que sais-je, hein, parce que on n'aura rien de toute façon. Mais bon, il faut défendre ses droits, ça, je suis d'accord quand même. Hein. Ça, c'est vrai.
Mais encore une fois, moi, ce qui m'embête dans cette histoire de grève ou de manifestation ou des syndicats, c'est que je me dis, ouais, les syndicats, ils étaient où quand les soignants, etc., etc., toutes les catégories, pompiers et tout, ils ont été privés de leurs droits parce qu'ils n'ont pas voulu de faire tac-tac, pic-pic. Ils étaient où, eux? On n'en a pas entendu parler, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu d'autres choses comme ça. Les gens qui ont été mis à l'écart, vous savez pour quelles raisons, qui ne pouvaient pas aller dans certains commerces. On ne va pas rappeler tout le cirque. C'est le cas de le dire, Corona Circus. Ils étaient où les syndicats pour défendre les droits des gens? Je sais pas. Je pense que c'est une question à laquelle on devrait réfléchir. Je ne crois pas que ces syndicats-là sont forcément animés de bonnes intentions. Ils font peut-être partie, finalement, d'une espèce de manip, finirait le mot, pour justement arriver à susciter un bazar monstre, un chaos, comme je viens de le montrer avec les cartes, pour arriver à autre chose. Et c'est cette autre chose qui me pose problème. Bon, alors, on va quand même continuer, hein. Alors, sur quoi va déboucher donc grève et manifestation? Là, on a déjà un indice, vous avez vu, le feu, hein. Mais par la suite, ça va déboucher sur quoi? Ah bah décidément, écoutez, ça fait. Ouais, il veut vraiment sortir, hein. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, vous avez vu. Bon, c'est sûr. Ok. Et quoi d'autre? Alors, les étoiles et l'ananas, oui. Bon. Alors, l'ananas, ça veut dire aussi qu'il y a certainement des gens qui vont atteindre leur objectif. Hein. Ça, c'est la satisfaction, on est content, hein. C'est la joie. Donc, ça veut dire que ce chaos ici que je vois, cette destruction, quelque part, c'est aussi quelque chose qui était planifié, puisqu'on voit ici la réalisation d'un vœu. Donc tout ça, c'est voulu. Alors, bon, je sais bien que les destructions ne sont pas encore là, mais vous allez voir. Ça va pas bien se passer, cette histoire. Alors, elles sont voulues, d'accord, elles vont être réalisées, et ça va aboutir à quoi? Pourquoi est-ce que ça doit être voulu? Pourquoi est-ce que c'est ce qui est quelque part planifié? Qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière? Parce qu'en fait, il faut regarder un petit peu. Bon, alors là, il y a bien une étincelle, on est d'accord, on est toujours dans les questions de feu. Alors, il y a les questions de café. Moudre du café. Alors, moudre du café. Du café. Ah, pardon. Pourtant, j'ai pris le mien de café. Le grain est moulu. Il faut boire le café. Donc, il y aura des conséquences. Oui, je sais. J'interprète mes cartes comme je le sens. Hein. Vous connaissez maintenant. Je vais mettre un petit peu de lumière quand même. Vous connaissez. Donc, il y a bien, vous voyez, hein, on passe du café en grain. Voilà. On moule le café. Le café est dans le filtre. On boit le café. Donc, il va y avoir vraiment des conséquences. C'est-à-dire lesquels? Alors, il y en a certains qui vont le voir venir. Ouais. Il y a des changements. Ah, ça, c'est la roue, hein. Donc, ça fait penser un petit peu, vous savez, à la roue du tarot, hein. Voilà. Il y a des changements. Oui. Une dualité, décidément. On ne sait pas trop ce que ça, à quoi ça va amener. Et quelque chose de toxique. C'est-à-dire la manite vénéneuse. La manite tue-mouche, hein, c'est un champignon toxique, mortel, ouais, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Donc, des conséquences, des changements négatifs. Pourquoi est-ce qu'il me sort la nourriture? C'est-à-dire, je vois pas trop ce qu'il veut me dire. Ah, il va y avoir des questions de nourriture par la suite. Oui, d'accord, mais moi, je veux la conséquence des manifestations et des grèves. Bon, alors, une conséquence positive quand même, il faut quand même qu'il y en ait, hein, je ne vais pas vous annoncer que des choses négatives quand même, c'est qu'il va y avoir une relation entre les gens qui va s'installer. Ça, c'est une bonne chose. Hein, c'est-à-dire que les gens vont être de plus en plus solidaires. D'ailleurs, ça peut montrer éventuellement la convivialité ici. Et le fait qu'il y ait un chemin qui soit tracé. D'accord. Donc, une des premières conséquences, c'est la solidarité et le fait que les gens se rejoignent. Bon, ok. On est d'accord. Ensuite, hein, les gens qui vont peut-être, je ne sais pas moi, manger ensemble, vous voyez. C'est vraiment des questions de convivialité. D'accord. Mais sur un plan plus général, à quoi ça va aboutir? Ah oui, non, mais c'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Bon, bah écoutez. Moi, je pense que ça va réveiller pas mal de personnes. Hein. Ben oui, parce que tout le monde est dans la mouise cette fois. Tout le monde, hein. Ok. Alors, on va plutôt poser la question autrement. Donc, ce qu'il est en train de me dire, c'est que dans un premier temps,
C'est vrai que ça va vraiment, vraiment apporter un épanouissement de la solidarité et des relations qui vont s'établir entre les gens qui se retrouvent tous dans la même situation, de catastrophe. On est d'accord, hein? Bien. Alors, comment va réagir le gouvernement? On va dire le mot tel qu'il est. Ben, c'est marrant parce qu'il y a quand même une satisfaction. Ah bon, pourquoi? Une protection, des choses qui remontent à la surface, des gens qui vont être pris en photo, ouais. Je vois pas trop. Attendez, là, il faut que je refasse un jeu, parce que là, il est en train de me dire autre chose. Je vois pas, pour l'instant. Ou alors, il veut pas me le dire, ou alors c'est caché. Est-ce que le gouvernement va vraiment accepter ça sans rien faire? C'est toute la question, en fait. Est-ce qu'ils vont être débordés? Parce que j'ai l'impression quand même que ce mouvement-là va prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur. Je vais prendre le résilio. Et que ça va peut-être prendre plus d'ampleur qu'ils ne le pensent. Et ça, c'est une bonne chose. D'accord. Bon. Alors, on va demander. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça va vraiment, vraiment, vraiment relier les gens, les faire descendre dans la rue et établir vraiment des nouvelles relations entre des gens qui jusque-là finalement entre des gens qui jusque-là finalement étaient un peu isolés ou dans leur coin. Il va y avoir aussi des appels sur les réseaux sociaux très certainement. Ok, on va essayer de voir, on va demander au Resilio de nous aider un petit peu. Bon, alors commençons. Bon, ok. Effectivement, vous voyez bien les barrages ici. Hein, vous aviez aussi la population qui change. Au départ, elle acceptait, et puis là, elle en a marre, et là, elle dit non. Hein, bon, il y a bien des histoires de stop. D'accord, on est d'accord, on est sur le sujet. Bien. Donc là, les gens, ils en ont marre, ils vont se relier, se réunir, échanger, discuter, enfin voilà. Bien. On va regarder à quoi ça va aboutir par la suite. Comment, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire? Hein? Est-ce qu'ils vont accepter? Bon, je ne les vois pas trop reculer sur l'âge de la retraite. Je pense que ça va rester comme c'est. Qu'il pourra sans doute des petits aménagements, des compromis. Mais est-ce que finalement ça va provoquer la chute du gouvernement? Qu'est-ce que ça va faire cette histoire de grève? Ou est-ce qu'il y aura autre chose? Bon, là, il y a des situations de marionnettes, d'enfermement, de bouée à la mer. Ok. De rouages, de gens qui sont préoccupés par les questions de nourriture, de menaces, de cadeaux, de gens dans les villes. Ok, bon, on a des choses intéressantes ici. D'accord? On peut même regarder en diagonale, hein. Vous voyez ici, par exemple, les gens qui sont préoccupés par leur quotidien, qui sont dans une situation d'enfermement et qui vont effectivement se solidariser pour faire bouger les choses. Ici. Pareil dans l'autre sens, hein. On a bien une bouée à la mer. Bon, là, on a besoin d'aide. Et donc, il y a aussi les questions un petit peu de cadeaux, d'aide, des choses que l'on offre à autrui. Bien. Mais on a quand même une carte de manipulation ici. Cette fois-ci, on prend les cartes comme ça, qui concerne bien les gens dans les villes et où il y a des rouages qui se mettent en place. Et attention, il y a une menace. Ok. Donc là, ça vaut le coup d'aller regarder sur la manip. Pour le reste, je crois que c'est pas compliqué, hein. C'est exactement ce qu'on vient d'évoquer. Alors, ici, il y a des questions de médicaments. Tiens, ça c'est curieux. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ok. Une menace avec des étrangers qui se déplacent. Hein, il y a un chameau à la montagne. Donc ça, c'est vraiment le chameau. Bah, c'est vraiment aux étrangers. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a de la paperasse. Alors, les rouages, la paperasse. Bon, ça peut être la loi, certainement. Alors, est-ce que c'est la loi, on va rester là-dessus, qui va être changée ou bien qui va au contraire rester comme elle est? Enfin, regardez un peu pourquoi j'ai les médicaments qui sont sortis. Et là, pourquoi est-ce qu'il y a les histoires d'étrangers? Alors, il y a la ministre qui va s'exprimer.
Hein, parce que ouais, donc ça c'est bien les, par exemple les grèves. Hein, voyez, on peut considérer que soit c'est des rouages qui continuent, soit ils sont bloqués. Ça, tout dépend comment je vais sentir la carte. Là, c'est un peu les deux, en fait, j'ai envie de dire. Quelque part, ils s'y attendaient. Hein, ils le savaient au gouvernement qu'il y aurait des problèmes avec la loi de la retraite. Et ils le savent depuis longtemps. Donc, la ministre, là, elle va en parler. On avait les cartes dans ce sens-là. Et elle va faire une déclaration à ce sujet. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on a sur les médicaments? On a des gens qui prennent les transports en commun avec des histoires de médicaments. OK. Et là, on a un appel. Ah, c'est marrant parce que là, j'ai autre chose. J'ai une menace en relation avec l'étranger. Il va y avoir un appel. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça vient se greffer par-dessus, hein. Vous voyez bien les cartes, hein? Ouais. Ça vient se greffer par-dessus. Et qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de grève? Alors là, on se met à l'abri. Ouais. Ici, il y a, ben c'est pareil, hein, il y a beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de discussions et un appel. Qu'est-ce que c'est que ça? On va remettre un autre jeu après, éventuellement, par-dessus. Et là, ouais, alors ça, c'est la ministre. Moi, je pense qu'elle va quand même rester plus ou moins sur sa position, hein. Parce qu'il y a un stop là, il y a une barrière. Donc, il ne faudra pas que les gens s'attendent à ce qu'ils reviennent à 62 ans. Hein. Non. Pour moi, les 64, ils vont rester. Je pense. Là, on va regarder aussi ce que c'est. Puis après, j'irai chercher un autre jeu parce que je ne peux pas en tirer trop non plus avec le même. Hein. Donc, ici, ouais, il va y avoir des réunions. Hein. Ouais, bon, bah, ça va discuter ferme hein, sur la retraite. Bon, ok. Mais moi, je pense pas qu'ils vont laisser tomber. Non. Je pense pas qu'ils vont laisser tomber. Simplement, il y a des réunions à ce sujet. Ils vont bien discuter. Ici, il y a une souricière. Il y a un piège ici. Je sais pas exactement par rapport à quoi. Donc, on ira regarder. Là, par contre, j'irai prendre le divine actu. Alors, un piège en relation avec des gens qui viennent de l'étranger et qui menacent. Hein, parce qu'il y a une peur. Je sais pas trop ce que ça va faire là. Et là, décidément, on a deux cartes de repos. On se met à l'abri, on se repose. Il y a des médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de me dire autre chose là. En fait, ça peut être soit en relation avec les grèves, soit quelque chose d'autre qui vient se greffer par-dessus ça. Alors, on va essayer de voir avec le divin actu, s'il peut nous aider un petit peu. Donc, reprenons. Ces grèves vont être un succès. Ça va réunir énormément de gens. Il va y avoir une solidarité qui va se développer. Et encore une fois, il y a des gens qui vont établir des relations. Et jusqu'à présent, bah, les relations, elles étaient plutôt bon, assez quand même, on va dire, elles étaient assez circonscrites en fait. Hein. C'était des petits îlots de résistants. Alors que là, ça va faire boule de neige. Bon, la ministre, bah, elle va être embêtée quand même, donc elle va devoir se réunir avec, je sais pas, moi, le conseil des ministres ou autre. Mais a priori, elle ne voudra pas revenir sur cette loi ou alors aura peut-être quelques petits aménagements. Et après, on a autre chose. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, on a une menace en relation avec l'étranger qui conduirait à des grosses discussions, mais également à une souricière? Qu'est-ce qu'il peut nous dire le divin actu? Attendez. Voilà. Alors, on va le mettre comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? Là, pareil, on a des histoires de médicaments et de marionnettes. Pas trop ce que ça va faire là non plus, parce que c'est pas du tout les retraites. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? De l'eau, ouais, ok. Ça peut être les émotions, hein, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Tempête élément. Oui, bon, d'accord. Alors, tempête élément, oui, je comprends. Ça, c'est que les choses vont vraiment dégénérer. On est d'accord. Mais pourquoi est-ce que j'ai les médicaments qui sont sortis, moi? Ciel, protection divine. Ah oui. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, par contre. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok, alors, qui c'est alors, attendez. Ah, oui. Et serait-il possible, finalement, que ce tirage rejoigne celui que j'ai fait juste avant, où je dis qu'il y en aura un qui aura un problème de santé et qui devra, quelque part, se mettre en repos? Est-ce que ce serait pas ça? Parce que
C'est possible, hein? Justice, ouais. Et joie. Ah, bah alors attendez, il y a un truc là quand même. Justice et joie. Ciel, protection des pieds. Vous savez, moi je pense vraiment que ce que je vous ai dit avant, c'est ça, hein? Il y en a un qui va partir, hein? Mais il partira à cause d'un problème de santé. Justice, ben, ça sera acté, hein, et donc les gens vont être contents qu'ils partent. Moi, je sais pas, moi, je vois un truc comme ça. Il va partir d'abord parce qu'il va avoir un problème de santé, et d'autre part parce que les choses vont vraiment, vraiment, voilà, la tempête, les choses vont vraiment prendre une ampleur à laquelle, pardon, il ne s'attendait pas quand même. C'est marrant, hein? Et il est bien possible que finalement, j'avais toujours dit que moi qu'il y aurait un chaos qui pourrait pas être géré par le gouvernement. Je sais pas si vous vous souvenez. Hein. Je vous dis, vous allez voir, à un moment donné, la situation va échapper à leur contrôle. Ils sauront pas gérer le chaos qu'ils auront eux-mêmes finalement mis en place. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que du fait du stress, parce que c'est quand même une situation qui est stressante, hein, que le gars, voilà, plus le gars, hein, force un peu sur la dose de certains médicaments. D'où finalement le tirage d'avant. Et que, alors, la justice, on va regarder quand même. Alors, c'est soit la justice et les conséquences de ses actes, soit il va y avoir une annonce, officielle qui va dire que monsieur s'en va. Il y a un truc, hein. Voilà, abondance. Non, mais c'est plutôt positif, là. Bon. Ok. Donc là, on a quelque chose. D'accord. Ici, on a autre chose qui arrive avec les questions de souricière. Alors, vous voyez, je sors de la grève, hein, on va plus loin cette fois. Les questions d'étrangers, les questions de souricière et les questions d'eau. J'ai dit que l'eau, ça peut être aussi les émotions. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dispute et affrontement. Bon, on est toujours sur le sujet. Je vous dis, ça va faire boule de neige. Hein, vous avez encore en tête la carte du feu, des destructions et coups. Et tout et tout. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des débordements qui ne vont pas être bienvenus parce que, comme je vous l'ai expliqué avant, moi, brûler les voitures, vraiment, vraiment, c'est des gens qui sont, enfin, des malfaiteurs, quoi, des gens qui sont malhonnêtes, des casseurs. C'est les pauvres gens qui ont leur voiture. Enfin, bref, il n'y a pas que les voitures, il y a aussi certainement des magasins qui vont être détruits. Enfin, avec la carte du feu, c'est vraiment une destruction. Bon. Donc, il va y avoir des choses qui vont dégénérer, c'est sûr. Et on voit très bien qu'il y a un appel ici. Alors, les gens qui viennent de l'étranger, finalement, ça pourrait très bien être une certaine catégorie de la population que je ne vais pas nommer, parce que j'ai pas envie de m'en prendre la figure. Voilà. Qui viennent se rajouter au bazar pour justement participer aux affrontements. Ben, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et ça, c'est un piège. Hein, ça rejoint le tirage d'avant. Ouais, ça peut être ça. Alors. Et du coup, ça va arriver à quoi? Alors, il va y avoir justement des réunions à ce sujet, ouais, parce que moi, ça va dégénérer. Je suis sûre que ça va dégénérer cette histoire. Et alors, des avocats, bon, justice, quoi. Ouais, ça va pas bien se passer en France. Hein. Oui, 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 oui. Mais ça va durer, hein, vous allez voir. Alors, chrétien catholique, je vois pas trop ce que ça va faire là. Ok, je vais me reconcentrer. Qu'est-ce qui va se passer ici? Bateau océan, ouais. Mais il va pas me répondre là. Et wok. Bon, là, il me parle d'autre chose. Bon, on va peut-être laisser un petit peu le divin actu, alors. Très bon jeu, mais bon, faut pas en tirer de trop non plus, c'est ma faute. On va les mettre de côté. Donc, on va regarder ici. Je dirais donc, il va y avoir des pillages, des casses, du vandalisme, tout ça. Et il va y avoir l'intervention nécessaire. Des réunions, enfin, je ne sais pas exactement au niveau du gouvernement, et je vais les mettre à part celle-là. Hein. Il va y avoir des discussions. Bon, alors, comment est-ce qu'ils vont gérer la situation? On va plutôt demander. Alors, on va demander à qui? Tiens, on va demander au Dixit. Je dois bien avoir quelques petites cartes qui devraient m'expliquer un peu ce qui va arriver par la suite. Donc, ça va discuter ferme. Et puis, on a vu qu'il y en a un qui n'allait pas bien aller. Hein. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ah! Pardon, excusez-moi, c'est mon Dixit qui va s'en aller. Alors, à quoi ça va aboutir tout ça? Parce qu'il va bien falloir que le problème soit résolu. Ils ne peuvent pas laisser la France devenir un chaos pas possible. Alors, il y a un truc mondial quand même, ok. Et là, vous voyez, ça c'est bien, j'aime bien cette carte-là, je vous la montre.
Il y a bien des gens, vous voyez, qui se relient entre eux pour aider autrui. Donc c'est bien vraiment un mouvement d'ampleur qui va se développer de façon à s'entraider les uns les autres. Bon, ça c'est très bien. Ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Ok. Moi, ce que je vois, c'est quelles vont être les conséquences. Désolée pour le bazar des cartes, hein. Quelles vont être les conséquences finalement de tout ça? À quoi ça va aboutir? Alors, il y a un danger, il y a un emprisonnement et il y a le tunnel des ténèbres. Bon, là par contre, ça me plaît moins. Ça me plaît moins. Alors, est-ce que ça voudrait dire que finalement, tout ça va aboutir au fait que on va se retrouver enfermé quelque part, hein, en route pour le tunnel des ténèbres? Puis il y a quelque chose aussi par rapport aux enfants. C'est curieux. Ben, comment est-ce que ça pourrait en arriver là? Tiens, ça faisait longtemps qu'on les avait pas sortis, nos amis, hein. Ah ouais. Ouais, bof, hein. Ça fait longtemps aussi que je ne l'avais pas sorti celle-là. Alors, il pourrait y avoir. Alors, en même temps, et ça rejoint un peu mes précisions astro, hein, il pourrait y avoir en même temps un problème international. C'est-à-dire tout le monde rentre à la maison. Parce qu'il y a un danger beaucoup plus grave, celui-ci. On peut se demander si cela devait arriver, si ce n'est pas là aussi une grosse manip de cela. Je vais regarder quand même pourquoi j'ai sorti les enfants là. Hein. Protéger les enfants d'un danger reptilien qu'on retrouve ici. Hein. Donc protéger, quoi, tout simplement. Ouais, vous voyez, il y a bien des questions de protection encore qui ressortent, deux fois. Protéger les enfants, protéger les animaux, enfin protéger ceux qui ont besoin de nous. Donc on reste à la maison. Encore une fois, pour être protégé. Le dé du destin. Il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas forcément en relation avec la grève, mais qui vient se greffer dessus, moi j'ai l'impression. Et qui serait plus en relation avec ça. J'espère que je me trompe. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est caché. C'est caché et ça viendrait. Alors, si nous on est le petit bateau là, ça viendrait d'un gros paquebot qui va nous mettre dans la tourmente. Donc, voyez-y ici l'influence internationale d'un grand pays, par exemple, qui va nous mettre dans la mouise, qui va nous faire entrer dans la tempête. Donc, moi, je me demande vraiment si le problème que je vois au printemps n'est pas plutôt un problème extérieur qui viendrait rajouter encore du chaos. Qui va être mis en place du fait de la grève, etc. Et vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une hypothèse qui n'est pas absurde, parce qu'on sait très bien que le contexte international est extrêmement mouvant. Il n'y a pas que la Chine et Taïwan, il y a encore d'autres pays hein, dont on n'entend peut-être pas parler, hein, j'en sais rien, moi. Ça peut très bien être l'Amérique du Sud, ou je ne sais pas, ou alors encore du côté de l'Est. Enfin bref, il y a un truc, et je le sens, quoi. Je ne sais pas si vous aussi, mais je sens qu'il y a un truc qui peut dégénérer. Alors, il y a des gens qui vont vouloir intervenir. Ouais, mais il y a des gens qui vont vouloir intervenir pour sauver la situation. Mais il n'empêche que il va y avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pro-pas. Finirait le mot. Hein, qui va faire que les gens risquent de marcher. Et du coup, ça arrivera à ça. J'ai une carte qui est tombée. Alors, je ne vais pas la retourner parce qu'on est deux. Si vous voulez qu'on les retourne quand même. Ok. Protection des enfants. Toujours pareil. Hein. Et là, ben, on est face à quelque chose de très, 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 très grand et de très puissant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir finalement une guerre ou un truc comme ça? Bon, ben, tout ça, c'est, vous voyez, c'est de la manip. Hein, c'est jeu d'échecs. Hein. Bon. Vous savez, je vous avais parlé d'un rêve, hein, vieille vidéo, où j'avais dit mon rêve sur Caligula. Où j'avais dit que je le voyais être exfiltré. Voilà, ou extradé, je crois, je m'étais planté de mots à l'époque. Faut pas m'en vouloir, vous savez, mon français, il souffre avec le fait que je dois parler allemand. Hein. Bon, enfin bref. Je le voyais être exfiltré. Ouais. Alors, ça n'empêche pas qu'il peut avoir un problème de santé, hein, vous savez, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais.
Ça pourrait bien être en relation avec ce que je vois là. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Donc, prévoyez en conséquence, hein. Mais à mon avis, les prochains mois, ben, on va rentrer dans la fameuse tempête que je vois depuis déjà des mois, hein. Voilà. Il y en a une autre de carte dans mon Dixit avec la tempête. Celle-là, elle est pas mal aussi, hein. Je sais pas, vous voyez bien le paquebot là. C'est lui qui fait les remous. C'est pas la tempête avec les éléments, c'est lui là qui arrive et qui fait que le petit bateau, ben, il risque de couler. Voilà. Et puis il y a ceci aussi. Bon, ok. Eh bien, on va voir ce que ça va donner tout ça. Moi, j'ai fait des provisions de croquettes pour mes chats. Voilà. Pensez à vos animaux encore une fois. Parce que on n'est pas à l'abri non plus de problèmes d'approvisionnement ou que sais-je. Hein. Enfin bref. Tout peut arriver. Voilà, je vais vous souhaiter bah, un bon début de semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.